comme si des fois on en avait trop marre. C'était comme si des fois tu te dis, mais ça peut pas durer, ça peut pas continuer, ça peut pas s'en aller tout droit comme ça. C'est comme des fois tu te dis, mais pas de solution là sur le côté, pas de solution là sur le côté, pas de solution dessus, pas de solution dessous et devant, t'as rien, tu heurtes, tu cognes, alors quoi, on fait quoi? Tu crois qu'on peut s'en sortir quand même, tu crois? Alors on se dirait, il est temps de se protéger, alors on se dirait, il est temps de se cacher, alors on dirait, il est temps de se protéger, il est temps de s'armure, de cocon, de couverture, de capitonner. Alors on ferait quoi? Alors, on creuserait là des trous sur les murs, qui les creusent avec les ongles, qui les creusent avec les perceuses, des trous dans le plafond. Passe, lève, te hisse dans l'interstice, roule sur le sol. Il y en a déjà plein de trous dans le sol, il y a des plaques pour les égouts, il y a des tunnels pour les câbles, des tunnels pour les conduites, il y a des tunnels pour tout évacuer. Alors toi tu vas te cacher là, tu vas te cacher dans ce qui est pour évacuer. T'es là caché dans le tunnel. C'est pas exactement un trou, c'est un tunnel. Finalement, on était des milliers à se cacher dans les tunnels, à se cacher dans les trous. C'est là que tu avais la peur de ta peur. Et si le monde, tout le monde caché partout dans les trous, dans les tunnels, si le monde, il continuait d'aller là tout droit, ou bien sur le mur à gauche, ou bien sur le mur à droite, ou bien contre le haut, ou bien contre le bas, et tout qui s'en va cogner devant, et devant t'as quoi? Devant t'as un trou, t'as rien que le grand trou, et toi dans ton trou t'as encore peur du trou, et on fait quoi dans nos trous? Si ça change quelque chose, si ça change pas, que le monde s'en aille droit vers son trou. Un monde qui tombe. Un monde qui tombe, est-ce que ça emmène, tu crois? Est-ce que ça emmène ceux qui sont cachés dans les trous? On était là dans nos trous et il n'y avait plus de monde. Le monde avait disparu, le monde s'était enfui. Le monde avait continué sa route, nous on était cachés là dans nos tunnels, dans nos trous. Il n'y avait plus rien que les tunnels, il n'y avait plus rien que les ségaines, toutes ces choses en dessous de la ville, où sont les câbles, où sont les écoulements, où sont les arrivées, où sont les départs, où sont les fibres optiques, où sont les égouts, les canalisations, les sécurités, les surveillances. Tu les voyais, les silhouettes accroupies, les silhouettes crispées, les silhouettes qui attendaient, les silhouettes repliées. C'est juste que nous, on était tous dans nos trous dans les murs, nos trous dans tous ces grands bâtiments béton avec fenêtres, tous cachés derrière trous dans fenêtres, ou tous cachés dans trous donnant sur fenêtres, ou tous cachés dans caves, tous cachés dans escaliers et recoins, et tous ces passages et tunnels et parkings, et tous cachés là, tous cachés, et puis simplement, le monde, lui, s'était enfui. Le monde s'était enfui, enfin débarrassé de nous. Un monde tellement mieux d'être sans nous, caché dans nos trous. Il y avait celui-là qui marchait dans la rue qui disait « Mais vous y étiez déjà, vous étiez simplement qu'un trou du monde. Vous étiez juste devenu un monde en trou. » Qu'est-ce que tu faisais alors dans ton trou? Tu restais là coincé? Tu tentais de sortir. Tu restais là coincé. Tu tentais d'aller respirer. Et s'il n'y avait plus de monde autour, comment t'allais le reconstruire? Qu'est-ce que tu ferais d'un monde où il n'y aurait que des silhouettes enfermées dans des trous? T'as déjà vu des bulles de savon, dit? T'as déjà vu des bulles?
bulles qui se cognent les unes dans les autres. Imagine dans chaque bulle un petit bonhomme assis. Chacun dans sa bulle comme chacun dans son trou et plus rien.